chaud? Hein? T'es chaud du coup? Tu stresses un peu, quoi? Non, ça va. L'objectif final, ce serait énorme de pouvoir faire un Ironman, mais step by step, quoi. Ce qui est dur, c'est l'enchaînement des entraînements, quoi. C'est tous les jours de la semaine, ça prend énormément de temps. Moi, ça me fait un peu vibrer de me mettre des objectifs où je sais que potentiellement, tu peux ne pas finir. Ça va, c'est plus là. C'est un défi à trois, entre trois amis. Et c'est vrai qu'on commence à préparer ensemble, on veut le finir ensemble, on veut faire cette arrivée ensemble. Je vais prouver à mes parents, à ma copine, à mes potes que je peux le faire, quoi. J'ai pas fait 6 mois pour rien, quoi. Là, c'est hors de question de ne pas le finir. Ça, c'est clair et net, quoi. Je me suis demandé si c'était pré-cru ou pas. Ah oui, c'est pré-cru. Bon, on va chercher les dossards. Ouais. Ouais. Il y a 2 ans, je lui dis viens, on a qu'à faire un Ironman. Il m'a dit non au premier abord et puis après il m'a dit oui. Julien, t'as dit non ? Ouais. C'était quoi sa raison de dire non ? Il m'a dit non, t'es con. Il m'a dit non, c'est trop dur, on fait pas. D'accord. Je lui dis ça va. Je lui dis ça va. Moi, j'ai jamais fait de vélo de ma vie. Ça va, on peut le faire, t'inquiète. Tristan et Julien, on a joué au rugby ensemble à Saint-Aurens. Il y a quelques années, on a arrêté, quoi, mais on est toujours restés bons potes et on a toujours fait, que ce soit des bringues, des voyages ou d'autres activités sportives ensemble. Et puis on avait envie de se lancer un peu dans d'autres sports après avoir arrêté le rugby et du coup on s'est mis ça comme objectif après, quoi, voilà. Vous avez chacun une épreuve favorite entre guillemets, je suppose. Vous êtes le meilleur que les autres, je suppose. Moi ça va bien. Pour ça bien. Moi je suis bien en vélo, après je pense que Karak est meilleur que moi et après course à pied je suis assez bien aussi. Mais... Ouais. Moi j'ai surtout un point faible sur la natation, quoi. Non, vélo, on verra, mais toi t'as un peu faible. Moi c'est plus le vélo, ouais. Mais Tristan c'est clairement la natte où il fait la diff, quoi. Attention, sur les trois, Tristan est le meilleur à nage. Donc je sais que Tristan sortira toujours devant. Donc c'est pour ça qu'en vélo, normalement, je suis meilleur. Donc j'essaye de le rattraper. Chaumet, lui, il est moins bon en nage. Mais il est peut-être meilleur en vélo. Donc forcément, lui, c'est pareil. Il va essayer de nous rattraper devant aussi. Moi, ce que je cherche en plus de le faire pour Tristan et Chaumet, pour le faire ensemble, c'est de trouver mes limites, ouais. Essayer de faire les trucs sans forcément aller trop vite, mais essayer de finir des épreuves de plus en plus importantes. Ouais. Moi, je faisais 10-15 kilos de plus. Le rugby, ça m'allait bien. C'était pas du tout dans les tuyaux. Et puis, du coup, le fait d'être copain avec Julien, qui faisait pas mal de courses comme ça, ça m'a motivé à me dire « Ouais, moi aussi, j'aimerais bien me lancer des nouveaux défis. » Repartir dans des trucs que je connais pas, apprendre, découvrir d'autres sports. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire beaucoup de sports un peu variés. Voilà, il y avait le sport co, le basket ou le rugby, mais au final, j'ai plus été, moi, ça a plus été, là-bas, c'est la course à pied, le trail. C'est lui qui, moi, m'a motivé à faire un marathon il y a 3-4 ans avant Covid, donc 2020. D'ailleurs, je lui ai dit, bon, mais maintenant qu'on est prêt pour un marathon, pourquoi on n'en ferait pas un peu plus? Ça a duré quoi, 1 an, le temps de trouver la course comme il faut, tout ça. Il y a eu le Covid entre-temps. Et... On voulait faire un Ironman en fait en septembre, en octobre. Septembre ou octobre, ce qui permettait de nous laisser tout le printemps et tout l'été pour le préparer. Comme ça, voilà, comme on partait sur une grosse préparation avec 6 entraînements par semaine.
Les premières semaines, elles sont hyper compliquées. Tu rentres chez toi, t'es claqué, t'as juste envie de dormir. Et puis une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis tu t'aperçois qu'en fait, ce qui au début te paraissait, infaisable, en fait, t'habitues ton corps et petit à petit, tout se fait, quoi. Ouais, 3 heures, ça serait bien. Ouais, moi j'aimerais faire 3 heures aussi, mais 3 heures, ça serait bien. On verra bien. Aussi bien, on explosera sur le vélo parce qu'il fera trop chaud. Il fera trop chaud, c'est ça, avec la première côte, crac. Donc là, ça s'est arrivé après un mois de prépa, donc c'était vraiment... Tristan avait jamais fait de triathlon. Premier triathlon pour moi, deuxième pour Antoine, je crois. Super temps, super parcours, c'était assez cool. On part sur 1500 de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. C'est pas un objectif final, c'est de la préparation pour l'Ironman. Donc en fait, c'est à faire. Donc on y va pour s'amuser, pour se tester, voir après un mois, deux mois d'entraînement qui est le plus en forme, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on est capable de le faire, et jusqu'à faire mieux, quoi. Non, c'est bon, j'avais tout tourné. Ah, c'est qu'il va le faire l'hiver, comme ça. Nous, on est là pour se faire plaisir. Ouais. Il va faire chaud, quoi, après. Ah, de ouf. Je préfère ça que de la pluie, voilà. Ce qui fait plus chier, c'est le vent. Ouais. Alors, en plus, c'est comme c'est des tours, tu auras forcément en face à un moment donné. Ouais, c'est ça. Après, la chaleur en vélo, tu la sens moins quand t'as de l'air. Ouais. Bah, là, c'est pareil, quand tu montes. C'est quoi, c'est plat d'ailleurs ou... Non, non, il y a 500 et quelques dénivelés. Ah ouais. Ah, c'est un îlot ça là. Par là, là. Ouais, là où il y a les rochers là. Ouais, ouais. Et par là, par à droite, faire un truc vide et tu reviens à gauche le long des boulets rouges. C'est là-bas la sortie. Tu sors là où il y a les gens derrière toi. Ah oui, c'est derrière. C'est même avant. Après, tu longes les boues rouges. Non, on l'a vu la sortie. Au départ, c'est l'enfer. Les mecs, ils s'ouvrent les coquilles des autres. Enfin, les lunettes. Non, chaque fois, tu es sur le côté. Parce que tous ceux qui sont au milieu. Tu laisses partir. C'est ça. Tous ceux qui sont au milieu, c'est l'enfer. Ok, j'y allais juste pour pas être. Je savais que j'allais sortir de l'eau avant Jules et Antoine, donc je voulais juste qu'ils me rattrapent pas trop tôt sur le vélo. Donc Tristan, lui, dans tous les cas, il était sorti devant moi en nage. Moi, l'objectif, c'est de le rattraper en vélo et j'ai explosé, je l'ai jamais revu. Moi, j'avais eu un problème mécanique sur le vélo qui m'avait bouffé un peu de temps, donc. Sur le vélo, j'ai roulé, il ne me rattrapait pas, donc j'étais content. Donc, je suis arrivé à la course à pied, je me suis dit, pourvu qu'il ne me rattrape pas. Il y avait deux boucles à faire. Il ne me rattrapait pas, tant mieux. C'est tout ce que je voulais. Quand je pose le vélo, j'ai chômé qu'il me rattrape. Et du coup, voilà, bon, j'avais du mal à avancer. Je trouvais très très dur. Là, le fait d'avoir perdu, je sais pas, peut-être 10 minutes sur ce problème mécanique en vélo, bon, j'étais dans les choux et puis après... Et puis après, j'étais cramé sur la fin, donc ça n'a pas pu le faire. Mais bon, globalement, content de ma course et des chronos quand même. Et surtout des sensations, ça s'était hyper bien passé. Et non, c'était chouette, ouais. Et ça se passe hyper bien, on finit tous contents. Bon, ça se passe moins bien pour Julien, qui était malade comme un chien et tout ça, alors qu'il devait tous nous exploser. Bon, je l'ai vraiment subi ce triathlon, quoi. Ah, je l'ai subi et je crois qu'au final, je fais 3h30. Au moment, je me suis arrêté pour vomir et tout, parce que j'en pouvais plus, j'avais pas de jus.
Ouais, je crois que je finis en 3-10 par là, comme ça, ou 3-12 peut-être, je sais plus. Je crois que Tristan finit en 3-10 et moi en 3-12 dans ces eaux-là, quoi. J'en sais rien. 3 heures, je suis devant eux. 3 heures, des brouettes. Mon objectif, c'est juste de pas être trop ridicule par rapport à eux qui sont bien meilleurs que moi en vélo et un peu en course à pied aussi. Je veux juste qu'ils me rattrapent pas et heureusement, Chomé a eu des pépins. Technique de vélo et Jules était malade, donc, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Voilà, ils se sont fait plaisir, donc j'étais hyper content pour eux. Et voilà, après pour moi, ben ouais, j'étais revanchard, quoi. Je me suis dit, voilà, l'objectif d'après, c'était le Half Altryman début juillet. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, là maintenant, il faut que je me sorte les doigts pendant 2 mois et que j'arrive à être à faire une bonne course un peu pour me rassurer aussi, quoi. Julien et Tristan ont fait le swim run sur la côte Vermeille. Et moi, j'avais fait un trail à Saint-Lary ce week-end-là. On avait fait un swim run à la côte Vermeille, voilà, qui a enchaîné. En gros, c'est un binôme, c'est enchaîné course à pied-nage, course à pied-nage. Mais c'est pareil, quoi, on s'est bien fait plaisir là-dessus. Ouais. Ça se chambre un peu quand même. Ça se chambre plus à l'entraînement qu'en course. Ouais. Plus à l'entraînement qu'en course, parce qu'à l'entraînement, avec les semaines et tout, il y a toujours un moment où tu es un peu fatigué, il y a toujours un moment où. Où t'es un peu moins bien, il y a toujours un entraînement qui passe moins bien. Là, ça se chambre un peu. C'est Chomé qu'on préparait le marathon où on savait qu'on avait une grosse sortie de 2 heures ou un truc comme ça. La veille, on le voit, il est en train de faire la bringue. On se dit, non, mais demain, tu vas jamais venir. Ah, si, si, je vais venir, je vais venir. On part en cours, il arrive un peu à la bourre. Il était sorti la veille. Mais il nous dit, non, ça va, machin, j'ai fait soft, je suis rentré un peu plus tôt et tout. On dit, ouais, d'accord. Et puis encore l'agneau, c'est une catastrophe. Au bout de 5-6 km, il commence déjà à plus parler. On se dit, bon, parce que tu l'es fait plutôt tranquille, manière de discuter et tout. On se dit, bon, il est un peu dans le mal. On fait le demi-tour à 10 km. 10 km, où normalement, tu fais très bien, quoi. Puis là, il commence à mettre un peu de distance. Tu vois, on courait avec Jus. Il était un peu loin derrière. On ralentissait pour qu'il nous recolle. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, on se tourne. Et vraiment, il n'avançait plus. Il n'avançait plus du tout. Et on avait fait 15 km, il en restait 10 à faire, quoi. Il fait 1 heure de course à pied et après, il finit tout en marchant parce qu'il est un peu plus, quoi. On a appris après qu'il avait fait bringue, qu'il avait appuyé, quoi. Au lieu de rentrer tôt, comme il nous l'avait dit, il était rentré un peu plus tard, il avait un peu trop picolé, il était au bout de sa vie. Au bout de sa vie. Oh. Donc là, les gens qui suivent, vous entraînez à fond, toujours à ce même rythme, si c'est 1 par semaine. Ouais, c'est ça. Ce qui est dur, c'est l'enchaînement des entraînements, quoi. C'est tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi la sortie longue. Ça prend énormément de temps. Est-ce que ça te dérange de parler de tes problèmes de santé ? Non, pas du tout. Je me lève un matin, j'ai un peu mal à la poitrine. Dissection aortique, donc une artère qui se déchire, quoi. Donc opéré, et 2 mois après, on me dit bon, c'est bon, on pourrait reprendre le sport. Mais en étroite collaboration avec ma cardio, qui surveille, qui dit donc avec plein de tests à l'effort, de tests en tout genre. Des examens, examens. Ça, c'était très régulier au début, puisque moi, je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est Ironman. Je l'avais avant d'être opéré, donc je l'ai après, donc c'est comme ça. Elle m'a dit non, c'est pas une bonne idée. Je vais vous montrer que c'est une bonne idée. On commence la prépa ensemble, on fait le triathlon de Carcassonne où il nous met la branlée à tout le monde. On se dit, bah, putain, il est trop bien. Mais après, on savait que depuis le début, il n'avait pas encore l'accord de la cardio pour l'Ironman. D'ailleurs, Tristan, ça craint un peu. Là. C'est pas sûr qu'il pourra s'en servir. Il te l'a dit parce qu'il n'a pas reparlé. Quoi. Je lui ai dit, alors, tu prends le truc. Quoi. Donc, pour l'instant, il a un peu pris un stop par la Toubib. Il sera quand s'il peut le faire. Je sais rien. C'est rien, mais bon, à mon avis, s'il ne prend pas les places et qu'après il ne sait pas au quoi, il n'y aura plus de place du tout et ça risque d'être compliqué l'histoire. Et au bout d'un moment, on voit qu'il a encore des examens à faire et qu'il n'arrive pas à avoir cette validation de la cardio. Donc là, on commence à y croire un peu moins. Ça devait être genre mercredi soir, elle me file un coup de téléphone banal. Bonjour monsieur Roland, comment ça va? Bien et vous?
Bien. Bon, ben voilà, j'ai vos derniers résultats, ils sont plutôt bons. Malgré tous les tests, malgré que tout se passe plutôt bien, je peux pas vous dire, allez-y, y a pas de risque, quoi. Si j'avais une boule de cristal et je pouvais vous dire, faites l'Ironman, tout ira bien, c'est après qu'il y aura des problèmes, là, vous pouvez y aller, y a pas de problème. Elle m'a dit, je vous le dirai, mais là, je peux pas vous le dire, donc autant arrêter maintenant. Envie de pleurer. Envie de pleurer, c'est terrible. Ça fait, moi je lui dis, depuis janvier, on a préparé un marathon, puis derrière, on prépare des triathlons, on en fait un. Là, j'en ai un deuxième dans une semaine, et j'en ai un gros dans deux mois. Je lui dis, vous me dites non maintenant, je le comprends, je l'entends, hein, vous êtes cardio, c'est vous la patronne, hein, c'est pas moi, je vais pas expliquer à la cardio si je vais bien ou si je vais pas bien, elle le sait mieux que moi. Donc, mais bon, je m'y attendais aussi, je le savais, sur le moment, hyper compliqué, c'est hyper difficile, c'est atroce. Sur les semaines qui ont suivi, j'ai complètement lâché l'entraînement, j'ai dit bon, voilà, et puis j'étais hyper, hyper triste tout le temps, quoi, parce que ça te prend, elle me l'annonce, on est en juillet, donc ça fait 7 mois que tu t'entraînes 5 jours par semaine, enfin, j'exagère, mais pas loin, que tu t'entraînes tout le temps, que tu prépares un seul objectif, qui te prend vraiment, tu rentres chez toi le soir, tu vas t'entraîner, tu reviens, tu manges, tu dors, au boulot, tu vas t'entraîner, tu reviens, hein, et elle te dit bon, ben, c'est fini, vous faites plus rien, quoi. C'est hyper compliqué à digérer. Bon, ça nous a mis un coup quand même, parce que dans le projet, c'était un peu lui qui était à la genèse du truc. Et c'est vrai qu'on commence à préparer ensemble, on veut le finir ensemble, on veut faire cette arrivée ensemble. Il a eu un petit trou quand il a appris, et le mois de juillet, on l'a pas trop vu, mais c'est vrai que même sur la fin de prépa, mais encore aujourd'hui, il est toujours avec nous, donc faut qu'on le finisse pour lui, quoi. Deux casseroles là. Pour le petit déj. Oh, forcément, on a un peu calmé la bringue pendant 6 mois par rapport à tout ça. Mais après, il y a des fois, c'est bon, on a aussi besoin de profiter. On va pas s'empêcher de vivre là-dessus, quoi. Tu fais le repas pour demain? Eh bien, ouais, faut manger. On se prend pas non plus la tête avec des trucs drastiques sur l'alimentation et tout ça, quoi. Tu fais quoi, Kala? Ouais, je charge tout ce qui est montre et GPS. Le but, c'est de prendre du plaisir, que ce soit sur la course, avant, pendant, après, quoi. Bon, on va boire l'apéro. Là, tu pars pour 45 km et 1100 de dénivelé sans ravito. Donc format L, donc Alpha Ironman, mais en montagne avec des distances un peu rallongées. 2 km de nage dans le lac de Matemal, 100 de vélo mais avec 2200 de dénivelé et un semi-marathon, donc 21 km avec je crois que c'était 400 ou 500 de dénivelé, il me semble. Et puis on va être bon. Hyper important dans notre prépa, parce que le fait de faire une course où tu fais les trois enchaînements, en fin de compte, on le fait quand même pas si souvent que ça. Il y a un moment, oui, tu essayes de... C'est pas que je me renferme sur ma bulle, c'est juste de préparer tes affaires, surtout d'essayer de rien oublier, d'être tout carré pour que ça se passe le mieux possible, pour pas qu'il y ait de trucs chiants qui t'arrivent. La porte est sur la table. Ah putain, c'est bien. Tu veux que j'y retourne ici ou quoi? Sinon, moi j'ai pris un bidon d'altriman. J'en ai pris 3 bidons. T'as 3 bidons? Moi j'ai pris un petit coup de pression parce que j'ai oublié mes bidons, donc. Tu vois, on était trop organisé. Il y a des forcément un truc. Entre le problème. J'ai besoin de toi après.
Ouais. Quand tout le monde a fini, on allait à Matemal, il faudrait que tu passes à l'appart. J'oublie les gobelets plastiques là. Et je... rigueur, prends-moi ma grosse gourde. Ouais. C'est lui si l'objet, c'est gourde. Là, c'est plus sur un triathlon de montagne. Donc, c'était un objectif de 8 heures. Et après, c'était surtout aussi me un peu esprit revanchard par rapport à Chaumet. C'était aussi d'arriver à repasser devant et me faire plaisir sur un triathlon là-dessus. Ouais. Comment la jus? C'est bien, nickel. Ouais, parfait. Je suis content, tu vois, 2h40. Ouais, c'est bien. Il y a des courses où des fois on se tire un peu la bourre entre nous, donc tu te dis, attends, il est où lui? Est-ce que je vais pouvoir le rattraper ou pas? Voilà. Tu te sens comment là? Ça va? Là, ça piquait un peu. Ouais. Et le jus ou quoi? Quand là, il est passé il y a à peu près, je sais pas, peut-être 20 minutes, comme ça. Ah ouais, 20 minutes, quand même. Forme ? Ouais, tu m'étonnes. Je viens de timber. Petite descente, montée, et faux plat tout le long. Ça va, c'est plus là. C'est cool. Bonjour, ça va, 186, c'est Julien qui est là. Félicitations, Julien. Allez, il arrive vers nous maintenant avec Ronsard. Enfin, le sommet, tu viens de passer comme nous. Tu les suis quand même? Évidemment, je les suis. Je suis le premier supporter. Hein. Je pense devant tout le monde. Je pense que moi, je les suis en direct sur le téléphone dès que je peux. Je leur écris, je les appelle. Putain, je suis content. Je suis vengé, j'étais énervé du dernier traitement, c'est tout ça. C'était quand même costaud, c'était quand même une course très dure et très exigeante, mais par contre avec un super parcours, hyper joli, une bonne ambiance et ouais, super, un super moment dans la prépa aussi quoi. Bon, moi je me suis régalé, franchement voilà, je préfère au final je me dis je préfère beaucoup la montagne, faire du vélo en montagne que faire du vélo sur du plat quoi. Donc là je me dis l'Ironman de Barcelone, ouais, ça risque d'être long. Au fur et à mesure d'entraînement, t'as bien vu tes progrès? Ah ouais, tu progresses de ouf. Ah oui, ça c'est sûr, enfin, ils ont eu une évolution quand même assez impressionnante quoi. C'est vrai que quand tu regardes en arrière, tu te dis ouais, il y a un an, j'étais incapable de courir deux fois 10 km deux jours d'affilée. Puis un an après, je peux courir 20 bornes et ou rouler 150 km et puis aller courir un quart d'heure en suivant. Et puis le lendemain, je peux recommencer. Au niveau d'où on est parti, en fait, tu es tout le temps sur une progression constante. Parce que forcément, on part de zéro. Donc, quand tu fais que progresser, forcément. Ça reste assez addictif et puis le fait de te mettre des objectifs, ça te pousse aussi à te dépasser. C'est addictif, oui, mais des fois dans la prépa, il y a des moments, t'as des moments où c'est de moins bien, où t'as pas envie d'y aller, où t'es crevé, où ça te saoule, où tu vas courir, où tu vas faire du vélo, t'as l'impression de pas avancer, d'être nul. Et puis voilà, c'est pas tout beau tout rose. Moi jamais je me serais lancé là-dedans tout seul, eux non plus je pense. Ouais, tout seul, je l'aurais pas fait quoi. À faire des trucs, autant le faire aussi entre potes, hein, c'est toujours plus sympa. Je pense que t'as eu l'idée. Ouais. Et moi, j'ai eu l'idée de le faire avec des copains. Parce que tout seul, c'est infaisable. Tout seul, tu rentres chez toi le soir, quand t'as pas envie, que t'es un peu fatigué, que t'as une sale journée, tu dis, je suis au lit quoi. Jus et Antoine, ils sont pas mal là-dessus, ils arrivent vraiment à se motiver tout seul. Ils arrivent là, des jours comme ça où ils se disent bon tant pis, je suis tout seul mais j'y vais quand même, ça ils arrivent bien à le faire tout seul. Mais ils le font
ils le font, je suis pas sûr qu'ils le disent ça, ils le font vraiment pour battre l'autre. Hein. Ils le font vraiment, ouais. Ça, je suis sûr qu'ils l'ont pas dit ça. Ils veulent à tout prix être devant, être montrer que ben, ils peuvent aller un tout petit peu plus vite que toi à tout moment. Voilà. Faut pas s'endormir. Hein. À la fin, ça le dit pas. Ça. À la fin, ça le dit pas. Personne le dit. Personne le dit. Sachant que si vraiment il y a un gros trou, il y a un gros écart qui se crée, là on peut dire ah tiens, t'es pas bien, parce que c'est vrai, hein, c'est... là tu peux pas le cacher. Mais quand tout va bien, là, t'es comme ça à vélo, en course à pied, hop, ça accélère juste pour dire à l'autre que ah ben moi je suis plus en forme que toi aujourd'hui, tu vois. C'est juste ça. Je vais tout le temps à la bourse, c'est insupportable. C'est le ah, oh, mais aux entraînements, au triathlon, fais ce que tu veux. Il est jamais à l'heure. Et même quand il est à l'heure, il est pas à l'heure. Avec une bonne prépa et de l'assiduité, il est capable de te dire ouais, ok, rendez-vous 16h, d'être là 16h et de dire attends, j'ai oublié ma gourde et de revenir à 16h15. Quoi. L'assiduité. Il me l'a fait, mais pas plus tard que la semaine dernière. Il était là 16h30. Il arrive 16h45, 16h50. C'est 20 minutes, c'est pas grand chose. Hein, mais bon, quand tu fais des entraînements de 2h, il se pointe. Ah ouais, non, pardon, j'étais prêt. Puis en fait, j'ai regardé des trucs sur l'ordi. L'assiduité. Il est jamais à l'heure, mais depuis toujours. Et on le sait, hein. Mais bon, ça nous étonne à chaque fois. C'est incroyable. C'est le mec le moins à l'heure du monde. Ça, c'est vraiment... Tu seras là ou pas, tu penses ? Je sais pas. C'est bon. C'est ma grande question, parce que c'est terrible. J'ai trop envie d'être là, d'être avec eux quand ils passeront la ligne d'arrivée et tout ça, mais en même temps, ça me fait tellement de mal de les voir passer cette ligne d'arrivée, de pas avoir pu faire tout ça avec eux, quoi, alors que j'ai fait tout l'entraînement, hein. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, mais maintenant encore, il sait toujours pas s'il va venir avec nous à Barcelone parce que ça lui fait mal au cœur de pas pouvoir le faire. Je verrai au dernier moment si je peux y aller, les accompagner, si ça peut les aider. Ils m'ont demandé de venir, après je sais pas, on verra sur le moment quoi. Après c'est sûr que ça reste un sport individuel, mais pour lequel sans les copains, je pense que ni l'un ni l'autre serait allé au bout, hein. Ça c'est sûr. Devise de l'Ironman, c'est que rien n'est impossible. Donc, ouais, je sais pas si je cherche à me prouver quelque chose ou pas. Peut-être, ouais, savoir aller essayer de tâter au mieux mes limites, en espérant qu'elles soient plus loin que ça. Mais surtout d'arriver à me prouver que sur un projet comme ça, je suis capable surtout de mettre tout en œuvre pour essayer d'y arriver, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse dans le cheminement, quoi. C'est vrai que moi, perso, ça m'aurait juste pour moi, me le prouver à moi-même déjà. C'est un peu ça, tous les défis sportifs que les gens se lancent, en général, c'est pour se le prouver à eux-mêmes qu'ils en sont capables. Moi, ça m'aurait fait plaisir de le terminer juste pour moi. Après, un petit peu pour prouver à ma cardio que j'en étais capable. Mais bon, ça, je pourrais jamais lui montrer. Me dire que je peux le faire et que les 6 mois n'ont pas servi à rien. Parce que mine de rien, c'est quand même pas mal de sacrifices pendant 6 mois, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma copine ou des choses comme ça. Et voilà, c'est dire, ben, au moins, j'ai pas fait 6 mois pour rien, quoi. Là, c'est hors de question de ne pas le finir. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça a l'air d'être un peu la merde pour se garer, mais je sais pas, on est passé devant un endroit où il avait l'air d'avoir toutes les tentes Ironman et tout, et là, on s'éloigne, quoi. Donc, je sais pas. Il y a deux trucs en fait. Il y a l'endroit où on retire les dossards, mais pas au même endroit que l'endroit où il faudra qu'on aille poser le vélo et les affaires. D'accord. Ok. Donc voilà. Ça, normalement, c'est Playa de je sais pas quoi, ils ont dit. Playa des Garbi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là qu'on va et t'as toutes les tentes et tout, c'est avant. Mais ouais, là, je vois des gens qui. Ah. Je vois des gens qui reviennent avec les sacs des dossards et tout par là. Il y en a dans tous les sens. Ah, bah, ça, alors. Ah oui, ça marche. Bon, on arrive. Bon, tiens, on commence, on est garé. Ouais, bah de toute façon, on s'attend devant la tente des dossards. Allez, ça marche à tout ça. À tout. Vous êtes devant à quel niveau là, vous êtes?
Ouais, bien sûr, je suis fier de me lancer dedans. Après, peut-être s'y lancer sans concrétiser, bon, la fierté, elle est maigre quand même. Ouais, je serais très fier de pouvoir le finir et de dire que je suis un Ironman. Sans parler de temps ou sans parler de vitesse, moi, c'est vraiment me faire plaisir, quoi. Je préfère, tant pis, aller un peu moins vite, mais de pas trop exploser et de me faire plaisir, quoi. J'ai envie d'être vraiment régulier toute la course et d'arriver à garder le sourire jusqu'au bout, quoi. Mon objectif, ce serait de base déjà, c'est de le finir dans les barrières horaires. Je sais même plus combien c'est, je crois que c'est 15h30. Je crois que c'est 16h ou un truc comme ça, il me semble. Si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je ne vois pas quelle raison on peut faire ça dans notre. Si ce n'est les barrières horaires. Il y en a une qui est un peu plus. Celle qui est tendue, c'est la moitié du vélo là. Normalement, le but pour 20 devrait avoir au moins une demi-heure d'avance. On peut avoir accès demain matin au sable bleu et rouge, mais sans problème. Et il faut mettre tous les matériels de la vélo, le casque, les chaussures, dans le sac, pas dans les d'accord. Ok. Ah bah, merci beaucoup. Merci. Pour le coup, s'ils le finissent pas, moi je le prendrai mal. Je le prendrai mal parce que je leur dirai ouais, mais, moi pour le coup, j'ai pas eu le droit de le faire. Donc si vous avez le droit de le faire, vous êtes préparé pour, finissez-le. Sauf évidemment blessure ou problème mécanique ou j'en sais rien. Ça, je leur accorde. S'ils arrêtent parce qu'ils ont mal aux jambes, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, mais je vais les chambrer pendant longtemps aussi. Un peu de stress pour demain ou... Un peu, ouais, sur la date. T'as pas l'air stressé quand même. Si, j'essaye de me concentrer, de bien oublier et tout, mais on verra après. Non, mais après, normalement, on est prêt et tout, mais on verra bien, quoi. Best game. Tu penses à toute la prépa que tu as fait avant, au moment cool, au moment moins cool et tout, donc ça te motive quand même à pas lâcher. Je pense plus à mes proches et à mes amis et à ce qu'il y a autour qu'à autre chose. Il y a des moments où tu es un peu dans le mal, des fois où tu as un petit coup de mou sur la course. Déjà, quand tu as des gens que tu connais pas qui t'encouragent, ça te met un coup de boost, mais alors quand c'est des gens que tu connais, c'est encore mieux, quoi. Le fait qu'il y ait tout le monde qui soit là et qui vienne nous voir, ça va rebooster un peu toute l'énergie et je vais pouvoir repartir derrière, quoi. Et moi, je vois mes parents, tout ça, forcément. Je pense qu'ils sont, j'espère du moins, qu'ils sont toujours assez fiers de moi sur ça. Ouais, je pense qu'ils sont fiers et... Ils sont surtout contents que je fasse quelque chose qui me plaît, que j'aille au bout de mes idées et que je me donne les moyens de faire ce qui me plaît, quoi. Thank you.
Alors nous on était... attends, je te passe ton pote, comme ça voilà. On va dire exactement où on est. Ah, il était à 5 km d'ici là, ouais, ouais. Dans la transition. À 5 km ouais, de l'arrivée du vélo. Ah, il va pas tarder. Ouais, pour 5 minutes. Je suis parti dans le dernier sas à la natation parce que je suis pas un gros nageur. Du coup, le début de la natte s'est bien passé, puis à la fin, je sais pas, ça s'est levé, il y avait des vagues de fou. J'ai fini quand même dans les délais, mais je perds à peu près 30 minutes sur le temps que j'avais prévu. Et puis, bah, du coup, 30 minutes de retard avec le vent de face à vélo. Je suis arrivé aux 90 km avec 9 minutes de retard. Donc, bah, c'était la barrière horaire. Et du coup, bah, ils m'ont arrêté, éliminé. Voilà. C'est hyper frustrant parce que tu as encore du jus pour continuer, que tu t'es préparé pour. Sur les trois, c'est bien qu'il y en a qui finissent. C'était si facile. Hein. Exactement. Ce serait pas un Ironman. Hein. Allez, jus. Allez, jus. Notre vie un peu elle tourne autour de nous trois depuis quelques mois. C'est un projet qui est long, donc c'est mon prépa comme on a dit. C'est un projet entre copains, c'est un objectif, on est ensemble et après ce qu'il y a autour c'est pas grave. Ouais, de l'émotion et l'émotion, de la fierté. Et après de se dire c'est bon, ça en fait fini, quoi. C'est une grosse page qui se tourne, c'est un aboutissement. Et voilà quoi, il y a de pouvoir profiter et de se dire et voilà, de passer à autre chose après derrière. Quoi. Avant tout, c'est un projet entre copains, avant tout. Et puis dans la difficulté, mine de rien, dans la fatigue et dans la difficulté, t'apprends vraiment à connaître les gens comme ils sont, plus profondément. Donc ouais, c'est hyper bien. On est hyper proches maintenant. Et puis si j'y arrive pas, bah, ça veut dire que je me suis lancé dans un projet qui, mine de rien, était dur. Parce que si je l'ai pas réussi, c'est que c'était dur. Donc, charge de revanche, quoi.